Alors, la lecture, comme deux personnes dans cet évangile, une personne va nous prendre Saul, 61, verset 5. Une autre personne dans la même évangile va nous prendre Saul 50, verset 14 à 15. Alors les micros, c'est fait. On en a jusqu'à 4 micros baladeurs. C'est pas ça qui m'a dit. Voilà. Donc la première lecture dans Psaume 61, verset 5. La deuxième lecture dans Psaume 50, verset 14 à 15. Psaume 61, verset 5. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Amen. Amen. Psaume 50, verset 14. Offre ton sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta bonne parole ce matin. C'est toi qui veux parler à ton peuple et nous voulons rester à l'écoute. Que nous tendons entendement soit libéré. Disposé et prédisposé à t'écouter ce matin. Agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, déjà un remerciement au peuple de Dieu. Remerciement au peuple de Dieu pour le projet qui a été lancé. Et qui a été appuyé en fixant cette fois-ci des objectifs précis. Vous voyez que nous sommes dans cette salle, ça fait bientôt 4 ans ou 5 ans. Et nous sommes limités quant à l'exercice des activités du Seigneur pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Parce que nous sommes ici que des dimanches. Ça nous limite dans tout ce que nous avons à faire. Elle est belle, elle est agréable, elle est bien placée, elle a des parkings. Formidable. Mais nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous met à cœur de faire. Nous sommes limités. En semaine, on se retrouve dans des maisons qu'on appelle des cellules de maison. Et on ne peut pas faire des séminaires, on ne peut pas faire des évangélisations comme on peut. On ne peut pas faire ce que le Seigneur nous met à cœur de faire. Alors nous disons qu'il nous faut donc quitter ici. Nous allions prier Dieu pour dire, Seigneur, si tu veux que nous restions ici, alors Seigneur, agis. Bon, ça c'est une prière qui est venue de nous. Ce n'est pas une révélation qui est venue de Dieu pour dire que je vous donne cette salle. Et donc, nous puissions être devant la réalité. Vous voyez, Seigneur, on se lance pour trouver un local. Donc, on s'est mis dans un calendrier. Un calendrier qui nous met sous pression. Et on dit que d'ici 31 décembre, il nous faut trouver 50 000 euros. Nous avons déjà 22 000 euros. Total 72 000 euros. Suffisant pour que nous puissions trouver un local, payer la caution, faire les travaux et y entrer. Et donc, le mois de juin prochain, il faut que nous soyons dans notre local. Alléluia! Ça nous a motivés et l'opération a commencé. Vous avez commencé à donner des promesses et nous sommes arrivés à 49 000 euros de promesses. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Dimanche dernier, il y a des bienvenus qui ont accompli la promesse et 3500 euros de liquidités sont faits. Amen. Et ce matin encore, un frère s'est levé et venu vers le pasteur pour dire, pasteur, les 1000 euros qui restent, moi, je m'en charge. Et je peux donner les 1000 euros. Alléluia. Pour dire qu'il viendra vers toi pour noter son nom. Amen. Voilà. Et il y a des personnes qui ne veulent pas mettre leur nom, mais qui veulent donner de manière anonyme. Et qui m'ont appelé en semaine pour dire, pasteur, moi, je n'ai pas encore dit quelque chose, mais je ne veux pas qu'on mette mon nom. Moi, je veux agir. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur fait son travail. Et nous le bénissons. Merci au peuple de Dieu. Et que ses promesses se réalisent. Alors, tout à l'heure, notre frère Lagos, membre du comité, mettra ici
un panier spécial pour les promesses, et chacun qui a pourvu donc à sa promesse pourrait donc venir librement après mettre dans le panier et ils pourront faire le compte et nous dire aujourd'hui, par exemple, qui a apporté quelque chose, en fait, le montant de ce qui est en fait. Alléluia. Et chaque dimanche comme ça, bon, le panier sera là pour que chacun puisse mettre librement ce qu'il avait promis. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur. Car toi, ô Dieu, tu as exaucé mes voeux. Ça, c'est David qui parle. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Psaume 50, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Alors le thème sur lequel nous allons parler, c'est le vœu, un vecteur de bénédiction de Dieu pour le chrétien. Le vœu, un vecteur de bénédiction de Dieu pour le chrétien. Parce que nous désirons être bénis. Le chrétien, il est béni parce qu'il est sauvé. Il a en lui la vie éternelle que Dieu lui a donnée gratuitement. La part que sa vie désormais soit une vie orientée vers le paradis de Dieu. Et là, c'est une bénédiction inestimable. Mais c'est une promesse à venir. Une promesse qui est orientée vers le ciel. Mais le Seigneur veut aussi que, ici-bas, nous puissions expérimenter ses grâces. Pour que chacun puisse avoir l'opportunité, l'occasion de rendre témoignage des grâces de Dieu reçues dans sa vie. Alors ce matin, nous sommes contents. Parce que chacun a la condition que ce Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu insensible à nos besoins. N'est pas un Dieu muet quant à nos besoins. Il est celui qui pourvoit à nos besoins parce qu'il tient à ce que témoignage lui soit rendu. Il tient à ce que nous puissions le bénéficier, le bénir. Et ce qu'il a fait dans votre vie. Alléluia. Ce matin, tu peux avoir un témoignage. Ce matin, tu as un témoignage de la grâce, de la bénédiction que le Seigneur a déposé dans ta vie. Amen. Alléluia. Qui n'a pas de témoignage ce matin? Qui n'a pas de témoignage de la grâce de Dieu dans sa vie? Faut dire à ton voisin, j'ai le témoignage de la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai le témoignage de la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai le témoignage de la grâce de Dieu dans ma vie. Mais pour quel cas, bien-aimé, si c'est le contraire, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que chacun a un témoignage de la grâce de Dieu dans sa vie. Le Seigneur veut agir davantage pour que chacun de nous puisse avoir des témoignages à rendre à son voisin. Vous dites, quand, voici je te parle de mon Dieu. Ce Dieu que je prie chaque jour auprès de vous ici. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Et puisque voici ce qu'il a fait dans ma vie, alors viens l'adorer avec moi. Ce Dieu n'est pas insensible aux besoins des êtres humains. Ce Dieu n'est pas muet aux besoins des êtres humains. Donc, viens le prier avec moi. Je t'ouvre la porte parce que c'est un Dieu qui est bon. Sa bonté va jusqu'au but. Sa fidélité va jusqu'au but. Sa miséricorde n'a pas de fin. Sa compassion se renouvelle chaque matin. Amen. Parce que c'est un Dieu qui agit, parce que c'est un Dieu qui émerveille, parce que c'est un Dieu qui est sensible, parce que c'est un Dieu qui est amour, parce que c'est un Dieu qui agit dans la vie de ceux qui l'adorent. Amen. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne.
de bénédiction. Paul le chrétien. Parmi ces vecteurs de bénédiction pour le chrétien, il y a le vœu. Faire le vœu. Le Seigneur bénit par des moyens, mais l'un des moyens par lequel Dieu agit aussi dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants, ce moyen s'appelle faire un vœu à l'Éternel, faire un vœu à Dieu. Alléluia! Les chrétiens peuvent aimer faire des vœux, peuvent être bénis, mais comment faire le vœu? Est-ce qu'ils ont la bonne manière de faire le vœu pour être bénis de Dieu? Le vœu que l'Éternel exauce, le vœu qui est apprécié de Dieu, le vœu qui est aimé par Dieu, le vœu qui actionne le cœur de Dieu vers la personne qui le fait et qui le Seigneur vous bénit ce matin. Alléluia! Nous allons voir donc comment faire un tel vœu. Le vœu est un vecteur de bénédiction pour le chrétien, mais comment le faire? Cela nous amène à nous poser la question. Qu'est-ce qu'un vœu? Qu'est-ce qu'un vœu? Si faire un vœu est un moyen par lequel Dieu agit, par lequel nous pouvons être bénis, il faut qu'on sache ce qu'est un vœu pour que nous puissions le faire. Un vœu est un engagement, une promesse qu'une personne fait à une personne ou à Dieu. Un vœu est un engagement de se consacrer à Dieu ou de lui donner soit une personne ou une chose. Nous avons l'exemple du Nazariat, du Nazaréen, par lequel les hommes s'engagent à se consacrer à Dieu totalement. Il dit, je me consacre à Dieu et que une larme ne puisse pas passer sous ma tête. Et que de mon vivant, tous mes cheveux soient comme ça parce que je me suis consacré à Dieu. Il y a des personnes comme ça dans l'Ancien Testament qui se consacraient ainsi à Dieu. Il y a aussi David qui a fait le vœu. Le vœu avec le peuple de Dieu. Pour offrir des offrandes volontaires à Dieu. Pour que le temple de Dieu soit construit. David se lève, le dit, je donne de mon argent. Je donne de mon argent. Parce que le temps que le temple de Dieu soit bâti. Le peuple l'a suivi. Et aussi, le peuple a fait des offrandes volontaires dans le but de bâtir le temple du Seigneur. Ça, c'est un vœu qui a été fait. Nous avons une autre explication du vœu. Le vœu est une promesse faite à Dieu en échange d'une bénédiction. On fait une promesse à Dieu. Le Seigneur, je te promets ceci. Et quand je vais te promettre, Seigneur, j'attends à ce que tu me bénisses. Et quand tu m'auras béni, alors voici ce que je te donnerai. Par exemple, nous avons le cas de Jacob. Le cas de Jacob. Alors, Jacob, frère d'Ésaü. Il a vu Ésaü, son frère. Parce que Jacob aime toujours la bénédiction. C'est quelqu'un dans la Bible qui veut vraiment être béni. Il est amoureux de la bénédiction. Que vous racontez toutes les bontés de Dieu, dit, lui, il veut être béni. Alléluia. Donc, bien aimé, être béni est biblique. Désirer recevoir le Seigneur est biblique. Et lui, il est amoureux de la bénédiction. Au point que pour y arriver, il a trompé son frère qui était l'aîné, il a récupéré sa bénédiction. Alléluia! Eh bien, il a quand même récupéré sa bénédiction, même si c'est maladroit. Mais il a quand même récupéré la bénédiction. Amen! Mais il y a eu le revers de la situation. Le revers de la situation est que son frère était
très amer contre lui, très en colère contre lui. La haine remplissait les yeux contre Jacob. Il fallait donc fuir pour éviter les dégâts. Et c'est donc dans cette fuite que Jacob va rencontrer Dieu en un lieu où Dieu va se manifester et là, il va nommer ce lieu Bethel. Et c'est dans cette rencontre que Jacob va faire un vœu à l'Éternel. Il est dit, Genèse 28, verset 20 à 22. Genèse 28, verset 20 à 22. Jacob a fait un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Là, il est en confrontation avec Dieu. Et il a besoin de demander à Dieu. Pour dire que mon voyage est long. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver. Parce que je fuis la colère de mon frère. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver. Alors, puisque ce voyage de fait est dangereux, voici dans cette rencontre avec toi ce que je te demande. Et si ce que je te demande, tu l'as compris, voici ce que moi, Jacob, je ferai pour toi. Il le fait ainsi, un vœu à l'Éternel. Et si ce vœu s'accomplit, alors lui, il remplira la part de son contrat pour donner à l'Éternel la dîme de ses biens. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons voir le cheminement. Nous amener à comprendre comment faire un vœu à l'Éternel, comment faire un vœu à Dieu pour que nous puissions entrer dans les bénédictions de Dieu. Dans le vœu de Jacob, il y a deux parties. La première partie, la demande de Jacob. La demande de Jacob. Là, Jacob demande trois choses à Dieu. Et bien aimé, la demande de Jacob doit aussi être notre demande. Ce que nous avons à demander à Dieu. Le Seigneur se plaît à ce que nous puissions lui demander. Le Seigneur se plaît à ce que nous puissions être des mendiants spirituels. Le Seigneur aime à ce que nous puissions le fatiguer. Le Seigneur aime à ce que nous puissions lui étaler chaque fois nous besoins, Seigneur. C'est la relation d'un père à un fils, à un enfant. Jacob demande trois choses à Dieu. D'abord, la protection. Si Dieu est avec moi, et si Dieu me garde pendant ce voyage que je fais, si Dieu est avec moi, et qu'il me garde pendant ce voyage que je fais, cette demande, nous devons l'approprier ce matin. Pour que le Seigneur, nous sommes engagés dans le voyage vers la vraie vie. Nous sommes en permanence en danger. Là, Seigneur, garde-nous. Donne-moi la protection. J'ai besoin d'être protégé. Dieu soit avec moi. Bien-aimés, certains sont venus étudier en Europe. Le vœu à demander à Dieu, exprimer à Dieu, c'est-à-dire, pendant mon cursus étudiante d'études ici à Paris, ici en Europe, si Dieu, toi, tu es avec moi, si tu me protèges, si tu me gardes, pour que rien ne m'arrive, et que le Seigneur, ta grâce demeure avec moi, voici ce que je ferai pour toi. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin de demander la protection de Dieu parce que nous sommes dans des dangers permanents dans ce monde-ci. La deuxième demande de Jacob. Jacob demande la provision. S'il me donne,
tu me donnes du pain à manger, si Dieu me donne des vêtements pour me vêtir, si vraiment du pain à manger, nous avons besoin du pain à manger. Nous avons besoin du pain quotidien. Parce que donne-nous ce matin notre pain quotidien. Le Seigneur, il est celui qui pourvoit à notre pain quotidien. Il est venu vêtir pendant l'hiver. Il est venu que nous soyons chauds pour que le froid hivernal ne puisse pas nous causer des problèmes. Nous puissions être vigoureux. Ce matin, sois vigoureux parce que Dieu est ton protecteur. Il est celui qui pourvoit à tes besoins. Il est ton protecteur. Il est ton pourvoyeur. Amen. La deuxième, la troisième demande que Jacob fait à l'Éternel, si je retourne en paix dans la maison de mon père, si je retourne en paix à la maison de mon père, le retour paisible. La paix est recherchée. La paix est une denrée rare. L'Éternel est mon berger. Il me dirige vers des eaux paisibles. Et c'est un besoin de l'âme. C'est un besoin de cœur. Nous voulons la paix. Nous désirons la paix et nous voulons évoluer dans la paix pour que notre vie ne soit en aucun cas troublée. Ce matin, le Seigneur est prêt pour nous témoigner sa paix, pour nous donner la paix. La paix avec Dieu, la paix de Dieu, la paix avec les autres. Amen. Rentrons ce matin dans la paix de Dieu. Ton âme a besoin de la paix de Dieu. Nous avons besoin de la paix intérieure et que tout ce qui est trouble soit vaincu ce matin dans ta vie. Alléluia. Sois en paix. Jacob désirait un retour paisible dans la maison de son père pour que sur le chemin, rien ne puisse pas trouver son retour. Sur le chemin, il ne puisse pas trouver des lions. Sur le chemin, il ne puisse pas trouver des dangers. Mais qu'il soit paisible. Le Seigneur t'accompagne ce matin et il veut te donner la paix. Amen. Jacob a évolué. Il a fait des promesses à Dieu. Alors, si tu me protèges, si tu me donnes la provision en paix et en vêtements, si tu me donnes la paix, voici ce que je te promets. Voici mon engagement vis-à-vis de toi. Voici ce à quoi je m'engage. Alors, Jacob s'engage sur trois choses devant Dieu. La promesse de Jacob doit aussi être notre promesse. Parce qu'il n'y a pas de vie qui réussit sans engagement. Il n'y a pas de vie qui prospère sans promesse. Il n'y a pas de vie qui va d'abord sans défi. Il faut se placer devant soi des défis à relever, des engagements à tenir, des promesses à réaliser. Et ainsi, le Seigneur accompagne nos promesses, le Seigneur accompagne nos engagements, le Seigneur accompagne nos défis, le Seigneur agit et nous devenons des heureux de Dieu. Amen. Engageons-nous. Faisons des promesses à Dieu. Relevons des défis. Et le Seigneur agira dans nos vies. Il s'engage à avoir l'Éternel comme Dieu personnel et unique. Alors, si tu fais ceci, si tu me protèges, si je retourne en paix, alors l'Éternel sera mon Dieu. L'Éternel sera mon Dieu. Auquel cas, si tu ne pourras pas avoir besoin, tu ne seras pas mon Dieu. Parce que tu n'auras pas la suite. Parce que tu n'auras pas donné des signes de bonté et de miséricorde. Alors j'aurai la condition que j'adore un Dieu mort. Et puisque je ne peux pas continuer avec un Dieu mort, alors tu ne seras pas mon Dieu. Mais si tu es avec moi, si tu me protèges, si tu pourvois à mes besoins, et que je retourne paisiblement dans la maison de mon père,
sera mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque Dieu t'a dit dans ma vie et que j'ai de manière palpable que tu existes réellement, je ne peux plus aller chercher un autre Dieu. Tu es mon Dieu. Et tu seras mon Dieu. Et tu demeureras mon Dieu. Parce que tu as touché mon cœur. Parce que tu as touché ma vie. Parce que tu as pourvu en besoin. Parce que tu t'es montré réel dans mon existence. Donc on peut me parler de ce Dieu. Mais moi je parlerai du Dieu, l'éternel des armées. Parce que c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu qui est palpable. On peut contempler de manière visible ses bontés dans la vie. Amen. Alors, tu seras mon Dieu. Bien-aimé, ce matin, que Dieu soit ton Dieu. Amen. Accepte-le ce matin comme ton Dieu. Il n'y a pas autre Dieu comme lui. Il y a des dieux idoles. Il y a des dieux fictifs. Mais notre Dieu, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu qui est réel. Parce qu'il est la vie, il est le chemin, il est la vérité, il est ressuscité des morts, il est guéri des malades. Il est guéri des malades et il agit davantage. Amen. Alors, c'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, crois à son Dieu. Crois à ce Dieu. Il est là. Seront le visible papa dans ta vie. L'Éternel sera mon Dieu. Il est le reconnaît comme son créateur. Il est le reconnaît comme son maître. Il est le reconnaît comme son sauveur. Il le reconnaît comme son pourvoyeur. Alors, pour sa part, il dit, c'est à toi donc, je peux donc consacrer ma vie, mon existence, n'est que pour toi. Ma vie de tous les jours ne sera que pour toi. Parce que c'est toi qui agis dans ma vie. C'est toi seul que je connais. Parce que c'est toi seul qui s'est montré visible dans ma vie. Amen. Il s'engage à bâtir une maison à Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Parce que il a élevé un monument. Et alors, à cette parution de Dieu, il a moins le monument. Il a moins le monument. Donc il dit, si tu as agi dans ma vie, ce que j'ai fait là, ça ne sera pas limité dans le temps. J'y vais au bout de ce que j'ai pensé. Là, j'ai moins seulement une pierre. Mais ici, sera la maison de Dieu. C'est l'un des premiers engagements à bâtir une maison à l'Éternel. Parce que Dieu se révélait comme ça aux gens. Mais il n'y avait pas de lieu construit, de lieu qu'il soit dédié pour qu'il soit adoré. Mais là, Jacob a promis. Si tu me protèges, si tu es avec moi, si tu me donnes le pain quotidien, alors moi, ce que j'ai fait là, je ne m'arrêterai pas là, mais je continuerai à ce que ce lieu soit ta maison. Je te bâtirai là un temple, je te bâtirai là une maison, je te bâtirai là un lieu de culte. Et alors là, le peuple viendra t'adorer là. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Amen. Des fois, on veut faire des choses au Seigneur, pour le Seigneur. Des fois, il faut faire des choses pour lui. Ici, si Dieu agit et que mon cœur est touché, moi, Jacob, je vais me lâcher. Je vais libérer mon cœur. Je vais libérer mon âme. Et la manière de libérer mon âme, c'est que je vais te bâtir une maison. Je vais te bâtir un lieu de culte. Bien aimé, il faut aussi arriver à faire de tels engagements à Dieu. Bâtir un temple pour le Seigneur. Agir pour qu'il y ait un lieu où le peuple de Dieu vienne pour adorer.
abandonné dans un coin précaire. Mais nous devons faire en sorte que nous puissions l'adorer dans un coin qui le nord, qui soit permanent, là où le Seigneur va se révéler, pour que nous puissions lui donner un culte d'adoration et de louange. Alléluia. Un engagement biblique. Un engagement qui est en accord avec la parole de Dieu. Fais donc des dons dans la maison du Seigneur. Fais donc des offrandes volontaires dans la maison du Seigneur. Fais donc des engagements financiers pour la maison du Seigneur. Cela est biblique et il faut qu'on le fasse. Et on a commencé à le faire et cela accomplit la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Il le faut. Jacob l'a fait. Et il faut aussi qu'on le fasse. Alors, bien aimé, ces mains sont scandalisées. Lorsque nous faisons les appels de fonds pour accueillir un lieu de culte, qu'est-ce qu'ils font là? Dans les églises, c'est toujours pareil. On va toujours la même chose. Ça veut dire, si vous donnez votre centime, voilà la destination de votre centime. Si vous donnez votre argent, voilà ce à quoi ça va servir pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, certains sont scandalisés quand les appels de fonds sont faits. Quand ils ne sont pas scandalisés, ils se sentent indifférents. Indifférents. Qui finisse la chose là? On va quitter ici. Quand ils ne sont pas indifférents, alors ils se mettent à critiquer ce qui se passe. Oh, toujours la même chose. Oh, toujours la même chose. Ça commence encore. Ça commence encore. Bien aimé, si Dieu a fait quelque chose pour toi ce matin, si la grâce de Dieu est dans ta vie, si la révélation de Dieu est dans ta vie, si l'onction de Dieu est dans ta vie, si l'accompagnement de Dieu est dans ta vie, si la protection de Dieu est dans ta vie, si la provision de Dieu est dans ta vie, si le pain quotidien de Dieu est dans ta vie, si le souffle de vie est dans ta vie, bienvenue ce matin, acclame et bénis le nom de Dieu. Si Dieu t'a béni, si Dieu a été avec toi, si Dieu te donne, augmente ta respiration chaque jour, bien-aimé, que ton cœur brûle. On dit qu'il nous faut un lieu adéquat, un lieu merveilleux, pour que ce Dieu qui donne la vie chaque jour, pour ce Dieu qui pourvoit mes besoins, pour ce Dieu qui est avec moi, pour ce Dieu qui me protège, qui bénit mes enfants, qui bénit mon mari, qui bénit ma famille, parce que quand on puisse quitter là, voici ce que je donne. Pour que le Dieu puisse aller de l'avant. Amen. Il s'engage pour appuyer la dîme de tout ce que l'Éternel lui donnera. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai la dîme. C'est-à-dire, je ne me contenterai pas seulement à bâtir ta maison. Non. J'irai encore plus loin. Parce que je sais que ta maison à bâtir a des besoins. Ta maison à bâtir aura des factures. Ta maison à bâtir aura besoin d'être entretenue. Ta maison à bâtir aura besoin d'assistance. Alors, je ne m'arrêterai pas seulement sur une maison à bâtir, mais je m'engage à donner la dîme de tous les biens que tu me
donnera dans ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis Abraham, la dîme existait déjà. Abraham a donné la dîme à un sacrificateur qui s'appelle Melchisédek. Et donc, ce n'est pas Moïse qui a envoyé la dîme. Avant Moïse, la dîme existait déjà. Et Abraham a été celui qui a pratiqué visiblement, proprement la dîme. Nous sommes les fils d'Abraham, par déduction. Parce que Abraham est appelé l'homme de la foi. Et nous, notre engagement à Christ est basé sur la foi. Nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Ce que Abraham a pratiqué, nous devons aussi le pratiquer. Si Abraham a payé la dîme, nous devons aussi payer la dîme de tous nos biens au Seigneur. Et cela est en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Jacob dit, si je fais tout cela, au final, je paierai la dîme pour le besoin de la maison du Seigneur. La dîme, c'est le dixième partie du revenu mensuel. Ou du revenu qu'on vous donne. Quel que soit le temps, si c'est une semaine, on te donne ton salaire, tu paieras la dîme d'une semaine. Si c'est un mois, tu travailles et qu'on te paye, alors tu donneras la dîme de ce un mois. C'est le dixième partie du revenu qu'on reçoit. Et la dixième partie, ça veut dire que si tu as 100 euros, tu donnes. Les mathématiciens. Si tu as 1000 euros, tu donnes. Si tu as 10 000 euros par mois, tu donnes. Et cela, c'est à la gloire du Seigneur. Amen. Ce n'est pas à ta gloire pour dire que dans cette église-là, c'est moi qui donne la grosse dîme. On donne selon son besoin. Si tu touches 1 million d'euros par mois, alors ta dîme sera. Alors tu te glorifies pas pour dire dans cette église, c'est moi qui donne 100 000 euros par mois. Donc l'église est reposée sur moi. Ça, c'est de l'orgueil. Toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Toute la gloire revienne au Seigneur. Payer la dîme, c'est la payer une seule fois. La dîme, le paiement de la dîme, ne s'étale pas sur les 4 dimanches du mois. Ça ne s'étale pas sur les 5 dimanches du mois pour les mois qui ont 5 dimanches. Alors, si tu reçois un peu, tu parles de ta dîme, hein, tu dis ta dîme, ta carte, prenez chaque mois, voilà ce que je vais donner, et à la fin, voilà, mon premier réveil, tu payes des offrandes. Cela s'appelle des offrandes. Ce sont des offrandes qui sont données à chaque rassemblement des enfants du Seigneur. La dîme se paye une seule fois. Même si ça doit te déchirer le cœur, parce que c'est beaucoup. Ça veut dire que tu donnes au Seigneur ce qui te coûte. Alléluia. On donne au Seigneur ce qui nous coûte. Même si ta dîme est 1000 euros, eh bien, c'est ce que tu dois au Seigneur parce que tu donnes selon la bénédiction qu'il t'a donnée. Alléluia. Donc, ne sois pas plus malin que le Seigneur. Le Seigneur, il voit le cœur. Et il veut que les choses soient faites selon le cœur. Parce qu'il le voit plus loin que nous. Il nous voit dans notre secret. Alléluia. Alors, bien-aimés, engageons-nous sur ces trois choses devant Dieu. Et nous devons la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que le but, c'est de voir la gloire de Dieu. Nous n'avons pas cru en vain. Et nous n'avons pas cru pour rien. Nous avons cru pour expérimenter les grâces de Dieu. Nous avons cru pour expérimenter la gloire de Dieu. Nous avons cru pour aller en profondeur de Dieu. Nous avons cru pour que
ce que je ferai pour toi, c'est que d'abord, je t'appartiendrai. Deuxièmement, je bâtirai une maison pour toi. Troisièmement, je serai sensible aux besoins de la maison que je vais te bâtir. Alors, je payerai mes dîmes pour que je puisse voir davantage la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, il ne faut pas te limiter. Il faut te lâcher. Et alors que tu te lâches, le Seigneur aussi va se lâcher aussi. Il va se lâcher aussi à son encontre pour te bénir, pour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les avantages de faire un vœu, Quels sont les avantages de faire un vœu à Dieu? Ah, on va s'arrêter sur ce point. Hein? Les avantages de faire un vœu à Dieu. Premièrement, Dieu entend votre vœu. Les gens qui entendent, Dieu a entendu les paroles de Jacob. Il a ouvert son oreille. Il a été à son écoute. Genèse 31, verset 13. Le Seigneur va rappeler ce vœu à Jacob pour lui montrer qu'il a entendu ce qu'il lui a dit. Je suis le Dieu de l'Éternel. Où tu as moué un mouton, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Le Seigneur a pris note. Il a pris date du jour où Jacob a parlé. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui entend. N'est pas un Dieu sourd. Il entend ce que nous murmurons dans notre cœur à son égard. Il entend nos cris que nous poussons vers lui. Il les entend. Nos soupirs, il les entend. Bien-aimé, ce matin est la condition que Dieu est à l'écoute de tes aspirations. Il est à l'écoute de tes soupirs. Il est à l'écoute de tes cris. Il est à l'écoute de tes agissements ce matin. Dieu t'écoute ce matin. Il veut que tu lui parles encore, encore et encore. Il veut prendre date de ce que tu lui dis ce matin. Amen. C'est un avantage. C'est un avantage d'avoir un Dieu qui nous attend. C'est un avantage d'avoir un Dieu qui, jusqu'au creusement de notre cœur, entend nos souffrances. Le Seigneur t'entend ce matin. Il t'écoute ce matin. Il est prêt pour toi ce matin. C'est un avantage. Deuxième avantage, Dieu exauce le vœu. Il est un Dieu d'exaucement. Il est un Dieu qui répond. Quand on l'appelle, il répond. Et d'une manière positive. Jacob a demandé la protection. Dieu l'a protégé. Le chemin n'a pas été facile. Aller jusqu'à son beau-père d'avant. Marcher seul dans la forêt, dans le désert, dans les sables, dans les papillons, dans les serpents. Il a marché. Il ne connaissait pas le chemin. Il n'était pas accompagné. Il est parti seul. Dieu l'a dirigé. Dieu l'a ramené jusqu'à la maison, à la famille de sa mère. Dieu l'a protégé. Dieu a exaucé son vœu de protection. Alléluia. Dieu est un Dieu qui exauce. Et ce matin, il exauce ta prière. Dieu exauce ce matin ta prière. Dieu répond ce matin à ta prière. Amen. Bien, mais quelle prière as-tu faite à Dieu? Dieu te donne la réponse ce matin. Il a écouté. Il a entendu. Et qu'il exauce ce matin. Jacob a demandé non seulement la protection, mais il a demandé
Jésus n'est pas fin. Pardon, c'est pas fin. Que je puisse me mettre. Il a fait la prière, ne sachant pas comment Dieu allait répondre. Il est pas seul sur un chemin qu'il ne connaît pas. Il est avec seulement un seul vêtement. Son pain que sa mère Rebecca lui a donné, c'est déjà fini. Mais dis, Seigneur, si tu pourras, mon frère, je vous juste là, c'est que je ne sais pas comment le temps se voit. Excuse-moi. Je ne sais pas comment le temps se voit, va durer, mais si tu pourras, à mon père, que je mange, que je n'ai pas faim, et que je ne maigrisse pas, jusqu'à ce que j'arrive chez mon beau-père, Seigneur, fais-le. Le Seigneur l'a fait. Alléluia. On ne sait pas comment, mais l'Écriture ne dit pas que Jacob est arrivé dans la famille de sa mère, mais il est arrivé avec de l'embonpoint, avec des muscles, avec des joues, parce que Dieu l'a nourri. Alléluia. Il est arrivé avec cette longue implement, parce que Dieu l'a nourri. Il a été accompagné. Dans son retour, son frère Esaü était en colère contre lui. Le jour où il l'attrape, lui, le monde s'est fini. Cette menace était là. Cette menace existait. Ça n'a pas été enlevé. Mais Dieu l'a protégé. Dieu a saisi le cœur d'Esaü. Dieu a maîtrisé le cœur d'Esaü. Dieu a maîtrisé la colère d'Esaü. Et alors, son frère Esaü a été donc inoffensif à son égard. Il ne lui a pas livré la guerre. Dieu a maîtrisé son ennemi. Ce matin, Dieu est celui qui maîtrise ce matin les ennemis. Alléluia. Il a maîtrisé ce matin les ennemis à ton égard. Si les flèches s'envolaient contre toi, ces flèches n'auraient aucun effet. Alléluia. Dieu voit les menaces en toi. Dieu arrête ce matin les menaces en toi. Dieu a répondu à la protection de Jacob. Dieu l'a protégé. À tel point que dans son combat à cause, l'ange, l'Éternel, l'ange pouvait le cribler, le broyer, le tuer. Mais la protection de Dieu était sur Jacob. Alléluia. En sorte qu'il a résisté. Un homme peut-il résister à un ange? Il a résisté à l'ange. Et l'ange a vu sa bravoure. Le ciel, la terre a vu sa bravoure. Le ciel a vu sa bravoure. Ce matin, la terre verra tes espoirs, tes victoires. Le ciel prendra note de tes victoires. Alléluia! Parce que Dieu est celui qui te protège. Le ciel verra que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Amen. La terre verra que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et tu seras victorieuse. Il y a un jeune Américain qui a expérimenté cela. L'avantage du vœu qu'on fait à Dieu. Dieu écoute, Dieu entend et Dieu agit. Ce jeune Américain était celui qui ramassait dans les hypermarchés les achats des clients. C'était son boulot. Et il était payé misérablement. Parce qu'il n'était même pas caissier. Il n'était même pas même un vrai agent de ce hypermarché. Donc son salaire était misérable. En fait, il était né pauvre. Et sa tante, qui est chrétienne, lui parle un jour. On dit, je sais que tu es né dans la pauvreté. Et que ton présent que tu vis est un présent misérable. Et même ton avenir est incertain. Alors, je vais te donner un conseil. Si tu acceptes ce conseil et que tu le pratiques, la situation changera dans ta vie. Tante, qu'est-ce que tu dis? Tata, qu'est-ce que tu dis?
7. Le conseil que je donne, si tu le pratiques, ta situation changera. Tata, quel est ce conseil? Je suis fatigué. Dans la Bible, il y a le principe. Le principe que je vais te conseiller, c'est un homme de Dieu dans la Bible. Jacob, il était en danger. Il a fait un vœu à son Dieu. Il a demandé la protection. Il a demandé le pain quotidien. Il a demandé la provision à son Dieu. Et il s'est engagé à faire quelque chose pour ce Dieu. Il s'est engagé à payer la dîme de ses revenus à ce Dieu. Et la situation de cet homme d'abord a changé. Il est devenu un des personnages de la Bible les plus riches. Ah, Toto, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a fait un vœu à Dieu. Et son vœu consistait donc en retour pour ce que lui devait faire, de payer la dîme à l'Éternel. Le jeune homme n'était pas chrétien. Et dans l'hypermarché, il était payé par semaine. À l'âge de 15 ans, il était payé moins. Alors, il s'engage à donner un dollar à Dieu par semaine. À calculer sur 4 semaines, 4 dollars. À 17 ans, il a été béni. Et il a été béni, il a changé d'emploi. Et dans ce nouvel emploi, il a commencé à donner 100 dollars à Dieu. Par semaine. Calculé sur les 4 semaines, ça fait 400 dollars. Si c'est une dîme, il faut calculer donc combien il recevait. Combien? 4 millions. Oh. Donc, à 17 ans, il a commencé à toucher 4 millions. À 30 ans, le Seigneur l'a béni. Il a commencé à donner par semaine à Dieu 1 million. Multiplié par 4, 4 millions. Et donc, son salaire devient combien? 40 millions de dollars. Alléluia. Amen. Alors c'est comme cela qu'il a prospéré. Et arrivé à 62 ans, il est devenu multimilliardaire de pétrodollars. Un homme important dans le commerce de l'or noir. Il est devenu incontournable. Et là, il s'est converti à 62 ans. Vous savez, avant 62 ans, il ne connaissait pas encore Dieu. Mais il pratiquait les principes de la parole de Dieu et il était béni de Dieu. À 62 ans, c'est là qu'il a fait une vraie rencontre de Dieu. Alors, il dit alors, qu'est-ce que je fais alors? Je fonde une fondation qui puisse offrir des bourses gratuitement aux enfants de Dieu. Et à quiconque en aurait besoin, une fondation pour distribuer des bourses. Et là, je m'engage à construire, à soutenir des grands ministères comme le ministère de Billy Graham. Et je donne l'argent. Actuellement, il est l'homme le plus heureux de la terre. Aux États-Unis. Il a commencé pour, il a pratiqué le principe de Dieu, Dieu l'a élevé et il fonde une fondation pour donner encore plus au Seigneur. Il a été fidèle à son vœu et le Seigneur l'a béni immensément. Alors, bien-aimé, il y a des principes qui sont dans la parole de Dieu, des principes qui ne nous sont pas cachés. Ces principes sont écrits. Le souvenir de les lire, de les pratiquer, de les mettre à l'épreuve par rapport à Dieu. Et le Seigneur agira certainement dans nos vies ce matin. Et Dieu veut encore agir dans la vie.
faire un vœu à Dieu, s'engager à l'accomplir, c'est amener Dieu dans une alliance, amener Dieu dans un contrat. Alors que le Seigneur agit, agit vraiment, et alors Dieu t'élèvera et tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Merci à vous qui avez fait des promesses à Dieu, qui avez pris des engagements pour le Seigneur, pour la maison du Seigneur. Dieu n'oubliera jamais vos vœux. Il est celui qui écoute, il est celui qui entend, il est celui qui prend note. Il a pris note de ce que vous avez fait, il prendra encore davantage note de ce que vous voulez faire pour lui, et le Seigneur agira pour vous faire expérimenter sa gloire dans votre vie. Amen. Salut.